La rubrique découverte continue sur Footsen. Pour cette 16e épisode, nous allons vous présenter 4 jeunes footballeurs originaires du Sénégal et qui évoluent dans des équipes européennes. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous débutons dans cet épisode par le jeune attaquant sénégalais de l'Inter Milan. Il s'appelle Amadou Makhtar Laissari, il est âgé de 19 ans. Le jeune avant-centre de Nerazzurri est né à Gossas, une ville située au centre du Sénégal. Donc il possède déjà la nationalité sénégalaise. C'est ensuite qu'il a immigré en Italie où il a obtenu la nationalité. Amadou Makhtar Laissari a fait presque toute sa formation au sein du centre de formation de l'Inter Milan où il a débarqué en 2018 en provenance de l'Iventina. Très vite, il gravit les échelons. Lors des 2 dernières journées de Serie A, Amadou Makhtar Laissari a été convoqué par Inzaghi dans le groupe professionnel de l'Inter Milan. Même s'il n'a pas encore débuté un match officiel, c'est déjà une bonne chose que l'entraîneur de l'équipe première des Milanais fait appel à lui à seulement 19 ans. Après l'Italie, on part en Allemagne où on vous fait découvrir Jean-Paul Ndiaye, le buteur de 17 ans, des moins de 19 ans du Schalke 04. La saison dernière, il a terminé parmi les meilleurs buteurs du championnat d'Allemagne des moins de 17 ans. Après la fin de son contrat avec Hanovre, Jean-Paul Ndiaye est recruté pour 3 ans par le Schalke, qui est l'un des meilleurs centres de formation en Allemagne. Jean-Paul Ndiaye n'est pas seulement qu'un avant-centre, il peut aussi évoluer sur les côtés ou en tant que second attaquant. Il compte déjà 4 sélections avec les moins de 16 ans de l'Allemagne et 7 autres avec les moins de 17 ans. Le Borussia Dortmund a aussi un centre de formation qui est réputé être très bon. Ils vont partout pour chercher des jeunes talents. Et ils en ont trouvé un cet été. Il s'agit du jeune ailier hispano-sénégalais de 16 ans, Ousmane Diallo-Thiaw, né à Las Palmas. Ousmane Diallo-Thiaw a évolué dans le club de sa ville natale jusqu'en 2020. Puis il signe au Deportivo Alaves. Après une saison remarquable la saison dernière, il part au Borussia Dortmund où il est inscrit chez les moins de 19 ans et il disputera la Youth League, la Ligue des champions des jeunes de moins de 19 ans. Ousmane Diallo-Thiaw est récemment convoqué avec les moins de 17 ans de l'Espagne. Mais avant cela, il a joué 7 matchs avec les U15 et 4 autres avec les moins de 16 ans. On termine avec un autre hispano-sénégalais qui aura 18 ans dans quelques jours. Il s'appelle Ousseini Diaw et il est le frère jumeau du crack du Betis Séville, Hassan Diaw. Tous les deux jeunes joueurs sont nés à Ndongan au Sénégal le 7 septembre 2005. Avant de partir en Espagne en 2022, Hassan Diaw et Ousseini Diaw quittent le centre de formation de Ballon. Hassan part au Betis et Ousseini s'engage avec Cadiz. Actuellement, il évolue chez les Juveniles A de Cadiz. Contrairement à son frère, Ousseini Diaw n'a connu aucune sélection avec les équipes de jeunes de l'Espagne. C'est fini pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Footsen.